que tu as trouvé le téléphone là, iPhone là, tu as trouvé ça où? Depuis quand tu as commencé à travailler, si tu as déjà payé iPhone, qui t'a payé le téléphone là? Tu ne parles pas. Viens devant ici, je te parle, non? Tout de suite que moi je t'ai emmené travailler ici maintenant, tu as déjà iPhone. Je t'ai devenu travailler, c'est pour payer iPhone. Je te paye combien pour que tu prennes un iPhone? Qui t'a payé iPhone là? Hé, hey, ma mamie. Qui t'a payé iPhone là? Je te parle, c'est qui t'a payé téléphone? C'est qui? Tu ne parles pas? Tonton. Qui? C'est tonton. C'est lui. Pourquoi tu cries comme ça? Regarde le téléphone pour moi, j'utilise. Elle a besoin de téléphone. Je te parle, regarde le téléphone pour moi et tu lui payes iPhone. iPhone combien même? Ma tuée. Tu as le téléphone que tu lui as payé? Je ne sais pas comment. Elle a besoin de téléphone. Ah. Je l'ai acheté ça c'est rien. Ah bon? Si tu veux iPhone, je peux t'acheter iPhone. Je peux te stop, stop, stop. Donne-moi le téléphone. Je vais te chiffrer. Comment ça? Donne-moi le téléphone. iPhone. Ça c'est pas pour toi, c'est pour elle. iPhone. C'est pour elle. iPhone. Faut ça partir. Faut partir à la cuisine. Tu fais quoi? Va à la cuisine, j'ai dit. C'est ce que tu fais là, c'est bien. Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas bien. Si tu as besoin de téléphone, moi je te vois un téléphone. Abyss, j'ai pris une bonne, c'est parce que à cause de mon travail, je suis fatiguée. C'est pour m'aider dans les tâches ménagères. Attends, tu as quelque chose avec la bonne? Avant quoi avec elle? Jusqu'à ce que tu me prennes un iPhone. Attends, tu me regardes comme ça. Qu'est-ce que je peux avoir avec elle? Rien. Que femme claire, femme élan. C'est parce que moi, je suis pour te dire, tu veux pas un iPhone. En fait, c'est pas dit ça, mais quand même, tu peux bien avoir. J'espère que tu n'as rien avec elle. Qu'est-ce que tu peux avoir? Où est-ce que vous êtes vu jusqu'à ce qu'elle t'a parlé pour que tu lui prennes un iPhone? S'il te plaît, enlève ça. Ça, j'ai rien. Abyss, tu commences à dépasser les bonnes. Tu dépasses les bonnes, sérieusement. Tu dis que je suis allé avec la voiture. C'est fini. Trop, c'est trop, Abyss. Trop, c'est trop. Je suis pas trop avec toi déjà. Je prends une boîte, c'est pour vous aider à l'étage, mais pas pour que tu lui prennes un iPhone. Moi, je t'emmène ici travailler, tu dis à monsieur de te payer téléphone. C'est un téléphone iPhone qui t'a emmené ici. Mais tu as quelque chose avec mon mari. Tu as quelque chose avec le patron. Si jamais je te revois encore dans les mailles de mon mari, tu vas rentrer chez toi. Vite, même tu vas faire tes bagages et rentrer. Tu me connais? Tu me connais? Tu vas voir ce que je vais te faire. Prends ça! C'est pas pitié, je te laisse ça. Pas pitié. Mais méfie-toi. Méfie-toi. N'importe quoi. Oui, allô, oui, oui. J'arrive. Un instant. Oh, chérie, comment tu vas? Ça va pas. Tu as ça va pas, hein. Tu as quoi? C'est mon mari. Ton mari, il a fait quoi? Figure-toi que la nouvelle bonne que j'ai engagée, il a pris un nouveau téléphone, iPhone encore la bonne. iPhone? Comment ton mari peut faire ça? Toi-même, je t'avais déjà dit, la bonne, là, faut la renvoyer. Comment une bonne peut être comme ça? Faut la renvoyer. Tu sais quoi? Je vais sortir, donc je vais appeler ton mari et discuter avec lui. Il me doit des explications. Il ne peut pas te faire ça. Elle m'a dit qu'elle me fait les cheveux. Je lui ai donné l'argent. Tu sais que mon mari a complété encore l'argent là. Les cheveux viennent jusqu'à sur les fesses. Quoi? Toi, mais regarde ce qui est sur ta tête. Regarde mes cheveux. Ton mari là, je vais l'appeler. Je dois le voir aujourd'hui. Il me doit des explications. Il me doit des explications. Sinon, moi et lui là, on va porter les mêmes caleçons. T'inquiète même pas. Moi, je veux sortir. Tu sortais? Oui, je sortais. Je vais te raccompagner. On y va alors. Attends, pourquoi tu m'appelles encore? Je t'ai dit à Romy l'argent. T'allais tout enlever, non? Tu dois tout enlever, effacer tout. Pourquoi tu m'appelles encore? Attends. Je ne suis pas venue ici pour ça. D'abord, tu es le mari de ma copine. Tu m'as enceinte. Maintenant, tu sors avec ta domestique. Jusqu'à l'acheter un iPhone. Qui t'a dit ça? Qui m'a dit ça? Le jour que tu m'avais pris l'iPhone là, tu avais pris deux, non? Je pensais que c'était pour ta femme. Attends. D'ailleurs, je ne veux même pas voter. Je veux plus avorter. Tu m'avais promis de renvoyer ta femme et je serai ta femme. Tu m'avais promis ça avant qu'on a commencé. Je voulais même pas faire ça, mais tu m'as garanti des trucs. Tu m'as dit que oui, que tu vas renvoyer ta femme. Tu dois renvoyer ta femme. Je veux pas avorter. N'oublie pas que ma femme, elle est ta copine. Comment tu veux que je la renvoie? Tu dois la renvoyer. Sinon, je vais tout raconter à ta femme. Aïe. Je vais tout la raconter. Mais je t'avais promis que je vais la renvoyer, mais les choses ont changé maintenant. Je te donne l'argent d'aller avorter. Il faut tout enlever. Je veux pas avorter.
Je veux plus avorter. Tu m'avais promis des choses et tu dois respecter ta promesse. Non, 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 non. Maintenant, je pense qu'on doit, tout arrêter. Je pense que ça va. Je ne veux pas avorter, Abyss. Un point final. Je ne veux pas avorter, c'est tout. Tu dois renvoyer ta femme. Je dois aménager chez toi. Ashley! Ashley! Non, mais je me suis mis dans quoi? Je me suis mis dans quoi? Mais l'affaire de femme là, les femmes, tu dois tout éviter. Grâce! Grâce! Ma? Tu n'es pas là? Je suis là. Viens ici. Ah. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Bon. J'ai pris une décision. Trop, c'est trop. Tu vas faire tes bagages et tu vas rentrer chez toi. Pardon. Il n'y a pas de pardon. Faut te lever. Pardon. Parce qu'on dirait que tu es venu garder mon foyer. Regarde. Tu as déjà cheveux jusqu'aux fesses. Mon mari t'a déjà pris iPhone. Ça va aller où? Après, on va te prendre quoi? C'est fini. Je suis même fatiguée déjà. Viens prendre ton argent. Pardon. Tu peux aller développer une activité. Le reste des travaux, moi, je vais faire maintenant. Je peux me réveiller à 3 heures du matin, tout faire avant de partir. Faut pas venir, tu vas gâter mon foyer. Quoi? Faut prendre, presse. Pardon, pose pas. Laisse mon avis, rentre chez toi. Faut te lever, rentre chez toi. C'est qui? C'est moi. Entrez. Ah, ma chérie, c'est toi. Oui, comment tu vas? Bonne arrivée. Merci. Comment ça va? Tu vas, ma chérie? Ah, je suis là. Hein. Bonne arrivée. Merci. La fatigue. Je suis tellement épuisée. Attends, je te sers un peu d'eau. Non, t'inquiète. Comment tu vas? Je suis ici pour te... Ça va, non? Ça va bien. C'est quoi? Je suis venue te parler. Tu m'avais dit que tu voulais me faire quelque chose, non? Tu voulais me faire manger, non? Oui, je voulais te faire manger, mais ma copine veut me parler. Mais il faut me faire manger d'abord. Vous avez tout le temps. Ma chérie, tu me donnes quelques minutes. D'accord, pas de soucis. Tu veux, en tout cas... Tu viens faire quoi ici? Je suis venue la raconter tout. Attends, ne me crée pas de problème dans mon foyer. Je ne veux pas de problème. Je t'ai déjà envoyé l'argent. Tu dois enlever ça. Je ne sais pas ce que tu viens faire ici encore maintenant. Je ne veux rien enlever. Quand tu m'as enceinte là, tu m'as vu. Tu ne viens même plus à la maison. Tu fais que m'envoyer de l'argent. Tu ne viens plus qu'on passe du temps ensemble. Tu fais que m'envoyer de l'argent. L'argent peut régler tout, c'est ça. Bah, tu vois que ma femme est là. Maintenant, tu veux quoi? Maintenant, je suis prêt à te donner l'argent. Ce que tu veux là. Je suis venue m'installer ici. Elle doit être au courant de tout. Je veux m'installer, je veux être ta deuxième épouse. Attends, dis-moi que tu es venue me créer des problèmes. Je ne suis pas là pour les problèmes. C'est simple. Dis-moi que tu es venue me créer des problèmes. Faut que je tu suis vois. Venue. Qu'est-ce que j'entends comme ça? Bébé? Toi, ma meilleure amie, enceinte de mon mari. Bébé? Et toi, mon mari, tu es enceinte ma meilleure amie. Moi, je suis venue te voir pour te parler de la bonne. Moi, je me plaignais de la bonne. Soit disant que vous voulez garder mon couple, mais vous étiez. Bébé. De mèche pour me tuer, c'est ça? Bébé, qu'est-ce que vous voulez de moi? Bébé, calme-toi. Bébé, tu sais quoi? Bébé, tu sais. Chérie, réveille-toi. Viens me l'amener à l'hôpital, non? Elle a quoi? Je m'en fous. Moi, je suis même déjà enceinte. Elle peut mourir, je m'en fous. Elle n'a même pas fait d'enfant avec toi.